Nangs Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nangs Reborn. Aujourd'hui, je suis choqué. Choqué par la parole de la chanson de Cardi B et de Stallion. Cette chanson qui a pour nom WAP. Est-ce que vous avez vu la tradition de la chanson? Je viens de voir la tradition de la chanson. Tellement les mots utilisés dans ces chansons sont tellement grossiers que je préfère ne pas vous les montrer. Regardez, tout se trouve ici. Ça se trouve juste là, devant moi. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de vous montrer ça. Ça parle que de conneries qui sont en relation avec ce que les gens font dans les champs. Pour être plus clair, pour être très poli avec vous, je ne veux pas vraiment que vous voyez ça. J'ai commencé la vidéo, mais j'ai dû arrêter. J'ai dû l'arrêter parce que... Waouh! Je suis vraiment choqué, quoi. Ça, c'est ma réaction hein, sur ces chansons. Je suis face aux paroles de ces chansons. Je vois, j'ai dit mon certifié, c'est juste 7. Quelque chose de humide. Et pas le quoi, et pas le. C'est-à-dire, quand je parcours le texte, la traduction de ces chansons, je ne vois que la présentation d'une femme prostituée. Oui, c'est comme si ces chansons présentaient les femmes comme des femmes prostituées. Genre, c'est comme si elles sont en train de se qualifier de prostituées, quoi. C'est exactement ce que ça est en train de décrire ici. Et elles sont en train de décrire comment elles ont du potentiel et que celui qui viendrait vers elle serait à l'aise quoi, à coucher avec elle. C'est exactement ce que Nathalie dit. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce sont des mots grossiers. Je ne vois que. Et elles ne font que parler de la taille, du sexe. Elles disent qu'elles ne peuvent que. Elles acceptent que. C'est une taille de sexe. Là, je vous dis clairement, c'est une chose que je découvre dans la tradition de cette chanson de Cardi B et Stallion WAP. Honnêtement, j'aurais bien voulu mettre les paroles devant vous ici pour que vous puissiez voir, mais j'ai changé d'avis parce que je ne veux pas que les enfants tombent sur ça, même si. Aujourd'hui, les gens ne s'occupent pas des enfants. Ils ne font que faire du grand n'importe quoi. Waouh. Et c'est vraiment terrible, les paroles de ce chanson. Je suis en train de la lire, hein. Je la lis en même temps. Je découvre des choses. Si je peux vous dire, je vais vous le dire directement. De la crème, c'est mon crier. Tout ça, c'est les paroles de ces chansons. Hein. Les paroles de ces chansons que tout le monde va acheter. Des millions de personnes ont écouté la chanson. Peut-être même ont répété les mêmes mots. Quoi, elle dit fais de la crème. Elle dit fais de la crème, fais-moi crier. Elle dit en plein dans ce petit garage, fais de la crème. Fais-moi crier. En public, fais une scène. Elle dit, je ne cuisine pas, je ne nettoie pas, mais laissez-moi vous dire comment j'ai eu cette bague. Elle dit qu'elle ne cuisine pas. Dans la chanson, hein? Elle dit qu'elle ne cuisine pas. Et
Elle ne fait rien à la maison, mais elle a envie de nous dire comment elle a fait pour avoir sa bague, mais comment elle a fait pour être au foyer, quoi. Et elle nous dit, avale-moi, goutte à goutte à l'intérieur de moi. Sautez vite avant de le laisser entrer en moi. Je lui dis où le mettre. Ne lui dis jamais où je suis sur le point d'être. Je suis tombé sur lui avant qu'un négro me dirige. Si vous voyez que je bloque, je ne peux pas lire le reste, c'est parce que c'est un mot aussi. Hein. J'essaie de vous lire la traduction de ces chansons comment. Du genre, elle dit que. Elle dit qu'elle va nous dire à nous comment elle a fait pour être au foyer, comment elle a fait pour avoir sa bague de fiançailles, ou de mariage. Elle dit qu'elle ne s'est pas préparée, elle dit qu'elle ne prépare rien, elle ne fait rien à la maison. Mais sur le lit là, c'est tout ce qu'elle fait là-bas là. C'est qu'elle va donner sa bague de fiançailles en un mot. C'est comme Jean pour dire aux filles que c'est le chemin à suivre si vous voulez vous marier, quoi. Ne faites rien. Passez votre temps à chercher à savoir comment on fait toute la position de la planète. Quand votre maman vous appelle pour venir préparer de la nourriture, vous venez après la préparer de la nourriture, ne le goûtez pas. Concentrez-vous plutôt sur des choses inutiles à faire dans la chambre. Voici des messages que ces prophétesses-là véhiculent à tous les fans, à tout le monde. Moi, je n'ai pas eu la parole de la chanson. Hein. J'ai juste fait une vidéo réaction là-dessus il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, je suis tombé sur les paroles de la chanson. Je suis de plus en plus choqué. Et ça confirme tout ce que je vous ai dit, quoi. Honnêtement. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ici, si on se voit, on ne rigole pas et on parle des vraies choses. Et c'est qu'on nous sommes en train de dire, si ce n'était pas vrai, nous ne serons pas là. Ça, c'est ma réaction, quoi. Elle dit, demandez une voiture pendant que vous montez cette. Jésus, tu ne dois vraiment jamais le. Ou un truc. Oui, y a pas de quoi. Jean, elle parle aux filles, aux jeunes filles. Elle parle du. En fait, c'est comme. Ça dit sa chanson là. C'est comme un forum de personnes qui parlent, qui se donnent des conseils sur. Sur le. Comment faire les rapports sexuels. Voilà, c'est ce que c'est, ça montre, ça veut dire. J'allais donner des conseils aux jeunes filles. Ne vous intéressez pas à comment entretenir la maison, mais concentrez-vous sur comment faire le rapport à votre mari, votre partenaire. Parce que ici, tout le monde n'est pas encore prêt à se marier, ce sont les enfants qui vont regarder ça. Ça, c'est vraiment un message terrible. Surtout que c'est en train de faire le buzz des millions de personnes qui voient ça. Honnêtement, c'est bizarre. Elle me dit, maintenant prends tes bottes et ton manteau. Pour cette partie intime qui est humide. Mais la partie intime de la femme qui est humide. Elle me dit de parler du sexe de la femme. Jean Poutical dit que le sexe de la femme est humide. Je sais pas quoi. Quand on vous dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, je vais détruire les gens. Ça, c'est exactement ça, quoi. Comment peut-elle venir parler de tout pareil et inciter les gens à faire du grand n'importe quoi au travers de sa chanson? Wow.
prévoir payer mes frais de scolarité juste pour m'embrasser. What? Juste pour l'embrasser, c'est moi, il faut payer ses frais de scolarité. Genre comme si pour avoir une femme, pour la toucher, pour avoir quoi que ce soit d'une femme, il faut payer. Elle dit maintenant, fais pleuvoir si tu veux. Elle dit, plus loin, ça c'est, je pense que c'est Stallion, la fille qui a fait le featuring avec KDB sur ce son, c'est elle maintenant qui est en train de parler. Elle dit, regarde, j'ai besoin d'un frappeur dur. J'ai besoin d'un coupeur profond. J'ai besoin d'un buveur en nid. J'ai besoin d'un fumeur d'herbe. Pas un serpent de jardin. J'ai besoin d'un cobra royal. Au moins la reine de foot. Hey, genre elle ne peut pas, j'allais dire, elle ne peut pas, les petits gars, elle a besoin des gens qui ont un sexe de taille imposant. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont des informations que les gens donnent tout le temps aux enfants. Même dans les vidéos sur YouTube, on le voit, les gens sont de dire, ah, quelle est la taille du sexe? Quelle est la taille du sexe? Ça fait que souvent, c'est des personnes qui ont une taille moyenne, sont en train de se sous-estimer. Ils se disent que, ah, vraiment, on dit qu'il faut avoir 25 cm pour que ce soit bien. D'autres disent, oh, on dit qu'il faut avoir, on dit que quand tu as 10 cm, c'est petit, comme ceci, comme cela. Ça fait que les gens sont en train de chercher le moyen de pouvoir faire agrandir leur sexe à cause de ces gens de message du diable. Oui, parce que c'est le diable qui parle ici. Tous les beaux parents qu'on vu, c'est que le soldat de Goulet, tous ont été dépassés. Vraiment, comment ne pas être choqué face à tes paroles? Elle n'a pas besoin d'un serpent du jardin. Elle a besoin d'un cobra royal. Elle dit, avec un crochet dedans, j'espère qu'il se penche. Avec un crochet dedans, j'espère qu'il se penche. Donc là, elle a été de parler de elle. Quelles sont les qualités d'homme qu'elle aime. Et la taille du sexe. Non, là, elle a été de vraiment nous dire que c'est vrai, c'est qu'elle s'en dédie. Parce que quand la chanson commence, elle dit que, genre, il y a des prostituées dans la maison. Il y a des prostituées dans la maison. Il y a des prostituées dans la maison. Et puis, on leur montre les deux. Genre, comme pour, genre, pour dire que, oh, voici la prostituée que vous cherchez là. Le voilà. Et c'est ça la musique aujourd'hui. Quand Dieu nous dit que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de folie. Vous comprenez maintenant. C'est pas de la blague. Ça fait rire quand même. Ça fait rire. Parce que je vois que ça n'a aucun sens. Est-ce que nous devons même continuer encore? Est-ce que je dois continuer à vous lire la perdition des paroles de cette chanson? Est-ce que je dois continuer? Bon, pour vous, il y a continué un peu. Pour vous, il y a continué juste un peu. Elle dit, il a de l'argent. Alors, c'est là que je vais. Et voilà, Pussy a un. Tout comme son crédit. Il a une barbe. Eh bien, j'essaie de la mouiller. Je le laisse coûter. Maintenant, il est diabétique. Je ne veux pas cracher. Je veux avaler.
Elles sont en train de parler de spermatozoïdes que ces femmes-là mettent dans leur bouche, de l'homme qu'elles mettent dans sa bouche. Elle dit non, elle est la reine de poutre. Donc, elle n'a pas besoin de vous cracher. Elle a pas. C'est-à-dire, même en entendant, c'est du sale. C'est du sale. Et donc, vous avez compte que des gens vont écouter cette chanson des millions de fois. Des millions de fois. Ça va conditionner l'esprit des enfants, de la jeunesse, à des vilaines choses. Si vous vraiment vous écoutez ça plusieurs fois, quoi. Et ça a été de faire le succès. Elles ont même fêté leur succès. Mais à quel prix? Au prix de la destruction des valeurs morales. C'est pourquoi on dit que la plupart des temps, ceux qui vont les âmes au diable, ils font des choses pour pouvoir amener d'autres personnes en enfer. Et les autres personnes en menant en enfer, ce sont les gens qui vont écouter la musique, y compris les femmes, qui viennent me prouver le contraire. Je suis vraiment choqué. Elle dit, je veux bâillonner, je veux m'étouffer. Je veux que tu touches ce petit dingue-dingue qui a balancé au fond de ma gorge mon jeu de tête, un feu, puis la nuit d'Azen. Ça va sec et ça sort détrempé. Je roule sur ce truc comme les flics sont derrière moi. Je crache sur son micro et maintenant il essaie de me signer. Wow. Votre honneur, je suis une SALOPE. Bizarre. Minoteless. Elle dit qu'elle est une prostituée. Les deux. En un mot, pour ne pas trop raconter l'histoire, en un mot de cette chanson-là, WAP de KDB et de Dalion, la fille-là, elles disent en un mot qu'elles sont des prostituées et puis elles nous montrent ce qu'elles aiment exactement, quel genre d'hommes elles aiment fréquenter, quelles sont les personnes qu'elles aiment bien fréquenter, surtout les gens qui ont de l'argent et puis qui ont un sexe de taille imposant. Tout tourne autour de ça. Et elles se décrivent comme des filles dont la partie intime est humide. Oh malade! Elles sont des reines de l'âme! Ça me fait rire! Moi ça me fait rire! Ça me fait beaucoup rire! Parce qu'il me dit, mais ah! C'est bizarre! Ça aussi ça s'appelle musique! Et puis ça a du succès! Aïe aïe aïe! Je comprends pourquoi on lui dit que le diable c'est le prince de ce monde. C'est pas un mensonge. Quand on lui dit que le diable c'est le prince de ce monde là. Là maintenant vous voyez. Comment est-ce qu'on peut autoriser que de telles chansons passent sur internet, à la télévision et tout ça. Et bien sûr, si les gens continuent à faire de telles chansons, c'est à cause de vous qui les aimez. Vous aimez bien ça. Parce que apparemment vous aimez très bien ça. Vous aimez des telles chansons, des choses de ce genre, des choses bizarres comme ça. La plupart des gens, ils aiment ça. Ils se plaisent là-dedans. Il y a d'autres personnes qui disent que just right. Jean vous dit, oh oui, c'est la vérité, elle a la même raison. Parce qu'elle explique ça. Jean, la partie même qui m'a encore plus même choqué, c'est cette partie où elle dit que elle... Elle ne peut pas, elle ne fait rien à la maison, elle ne fait pas les tâches ménagères, mais elle a sa bague au doigt parce que sa maman, ce qu'elle fait, c'est Dieu qui connaît. Sérieux? Mais est-ce que quand tu as des lignes vieilles, maintenant tu as bâché une canne, tu as dit à tes petits-enfants, bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que tu vas, en ce moment-là,
tu pourras le... Bon, en fait, quel conseil à ce moment-là tu pourras la donner? Dis-moi. Kadibi, dis-moi, quel conseil pourras-tu donner à ces enfants à ce moment-là? Quand tu auras une canne, tu auras même vieilli. Tout aura vieilli sur toi. Même ce que tu trouves humide aujourd'hui là, demain là, ça aura vieilli. Ça sera devenu plus sec que le mot sec. Alors, tu vas faire le désert. Souvent, hey, je suis sorti à la fin de la réaction là-dessus. Si, mon Dieu, je suis tombé sur la tradition des paroles de la chanson. Waouh, ça me fait trop rire. Je voulais arrêter ça. Non, la jeunesse d'aujourd'hui, même quand nos parents nous voient, ils se disent, waouh. Et ils ne disent rien de ton compte. T'es mon agate le con là. Non, vous là, non. Non. Même le diable dit, ouais. Moi ici, des seigneurs étaient animés d'une grande colère, mais vous là. Vous-même là, il y a longtemps, vous êtes fâchés depuis. Mais vous ne dites pas de ça, sinon. Vous êtes même plus fâchés que moi, vous l'assumez. Jésus. Comme une femme peut-être se présenter. Comme une prostituée, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que c'est une bonne chose? Je vous l'ai dit, ce monde où nous, que nous sommes encourage les mauvaises choses. Les gens veulent être des bad boys, des garçons manqués, les gens veulent faire des conneries, même dans les chansons, ils racontent du n'importe quoi, ils parlent de la drogue, ils parlent de rien de bon. Ils disent qu'ils ne sont pas là pour vous conseiller, mais quand c'est pour vous donner des conseils sur comment faire les choses dans la chambre, là, ils sont forts dans ça. Dites-moi ce que vous en pensez, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Moi, quand je regarde ça, ça commence à m'énerver. Hey! Faites très attention à ce que vous écoutez, mes frères. C'est un truc de ouf! Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, en cliquant sur ce bon pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos. À propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous vous trouvez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. Names Reborn.